Et ça tout le monde, c'est Azorik Terracia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 85 de notre aventure 100% sur Super Mario Sunshine Reloaded. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous du coup, dans l'épisode précédent, on avait continué notre gelato les flots dans lequel on avait récupéré notre deuxième soleil secret et dernier soleil secret qui nous restait. Parce que les amis, aujourd'hui nous allons nous attaquer aux 100 pièces, voilà, donc aux 100 pièces de ces gelato les flots. Et le mieux, ça serait de les faire sur les pièces rouges et coraux. Donc écoutez, ben, on y va, hein, on va faire les 100 pièces qu'on doit faire. Et du coup, ben ouais, on va faire ça. Attends, il y en a un, hein, tranquillement. Et voilà, donc let's go. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ben, ça va très très bien. Voilà, donc on va faire les petits 100 pièces comme on a l'habitude de faire, hein, maintenant, après plusieurs... plusieurs épisodes, alors je sais plus s'il y en a 6 exactement, mais voilà, je me dis, il en manquait en moyenne. Alors faire attention parce qu'il faut pas que je récupère la pièce bleue. Hop, voilà. Parce que là, c'est vraiment l'endroit où tu peux récupérer la pièce sans le vouloir. Hein. Merci. Merci. Vraiment, il faut vraiment faire attention. C'est notre Blue Coin Challenge, vous voyez. Parce qu'évidemment, ça, on les fera pour un épisode précis. Tac. Donc évidemment, il y aura l'épisode speedrun, hein, si vous voulez savoir. Voilà, il y aura l'épisode speedrun, qui sera du coup bah, l'épisode prochain. Et il y aura l'épisode speedrun pièce bleue aussi, qui sera du coup le dernier épisode speedrun, tout simplement, de ce jeu. Enfin, en tout cas, de ce niveau. Enfin, en tout cas, oui, du niveau, si vous voulez. Ouais, donc faire plusieurs types de vidéos speedrun, c'est pas trop mal, je trouve que c'est... Ça permet de garantir par exemple une bonne durée de vidéo tranquillement, même en speedrun. Donc voilà, j'estime que c'est quand même très bien et ça permet de entre guillemets rallonger la durée du let's play un petit peu, mais aussi de par exemple ceux qui veulent pas regarder la version normale, qui préfèrent regarder une version où je récupère plusieurs étoiles. Ah, fuck. Attendez. Oh là 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 là, évidemment, je récupère la pièce bleue au moment où je veux pas récupérer la pièce bleue. Là, j'ai pas le choix. Bon, bah, on y retourne. Tac, et du coup, on y retourne. Putain, je jure. Et du coup, oui, pour ça, donc pour les gens qui veulent regarder par exemple tout un truc entier sans interruption, ben bah, voilà, au moins vous avez ça. Et c'est beaucoup mieux, voilà. Ça permet de s'adapter aux deux publics à la fois, enfin, aux deux types de personnes à la fois, donc voilà, c'est pas non plus très dégueulasse. J'essaye de contenter un peu tout le monde, même si c'est un peu compliqué, on peut pas contenter tout le monde, mais on se comprend. Ouais. Sachant que vraiment, petit à petit, on se rapproche de la fin, hein, concrètement, enfin de ce let's play. Enfin, je pense qu'on est déjà aux deux tiers, je pense. Une fois qu'on aura fini Gelato, on sera aux deux tiers. Donc bon, voilà quoi. Normalement, on sera aux deux tiers, donc... Ou en tout cas un petit 2 tiers quoi. Bon, cette fois-ci on va essayer de pas se fail. Tac. Merci. Sept. Alors là du coup faut pas se fail. Ok. Quelle idée de pas récupérer la pièce bleue. Merci. Quelle idée à la con. Encore, je crois que c'est le seul endroit où c'est vraiment chaud de pas les récupérer. Que vraiment, ils sont... Parce que dans les autres endroits, il me semble que c'est tranquille. Ils sont pas réellement à côté. Il faut juste faire attention aux abeilles, c'est tout, en fait. C'est tout. En espérant que là, on se faille pas. Tout simplement. Tac, voilà. Ah super. Bon, allez. Allez, on est déjà au premier quart de ces pièces jaunes. Oh, je suis la route du tas aussi en même temps. Parce que bon, en fait, c'est concrètement une des meilleures routes existantes. Alors cette fois-ci, on va pas se fail, voilà. Oh là là, attention, voilà. En fait, je confonds en plus entre les deux versions. Ah, d'accord.
Attention, attendez. Hop, attendez, hop, on va attendre un peu. Pas trop non plus. Putain, attendez. Faut pas que je la récupère. Hein. Parfait. C'est bon. Voilà, parfait. Alors du coup là il y a le petit Yushi à sauver. C'est le petit. Alors il veut une noix de coco. Alors, c'est là. Ah bah là. Cette RNG était parfaite. Et si je peux. Oh dommage. Ça aurait été droit, ça aurait passé, ça aurait été trop stylé. Mais bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Ah ben il y en avait une autre là-bas, je suis con. Tac, voilà. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta. Non, non, non. Voilà, en voulant faire trop vite. Aïe, 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 je vous jure. Tuez-moi. Hop, attendez. Hop. Là, on est tout droit, là. Ok, ça va. Il est bien atterri. Alors, le petit Yoshi. Tac. Oh, come on. Voilà. Oh. Il faut faire très attention parce qu'il faut pas récupérer la pièce bleue. Évidemment, la pièce bleue. Ça, c'est un jeu d'adresse, quoi. Voilà, c'était une des plus compliquées. Les deux les plus compliquées. Voilà, parfait. Alors. Merci. Oh, faut faire très attention, pas tous les éliminer. Voilà, et du coup, on récupère que la pièce bleue. Voilà. Tac. Alors le meilleur ça aurait été avoir le truc, mais bon, évidemment je pense pas que ça passera. Fuck. Bon, on n'a plus besoin du Yoshi donc il faut quand même si possible le petit catabuse. Ouais, j'ai pas les réflexes là de ma version japonaise. D'ailleurs au cas où la version japonaise que j'ai prévu de vous faire, je pense que je vous la ferai l'année prochaine, si tout se passe bien. Voilà, la version japonaise, je vous la ferai l'année prochaine, qui sera d'ailleurs au cas où une version un peu plus différente de l'SP que vous avez connu. Voilà, je préfère vous avertir. Hop. Oh, fuck you. Attendez. Normalement, si je fais juste un petit saut. Ok. Normalement, si je fais juste un petit saut, ça passe. Hein. Ok. Je récupère quand même la pièce bleue sans le vouloir. Oh mon dieu, je vais pas y arriver. À choper que la pièce jaune. Chaud là, hein. Putain. Are you fucking kidding me? Putain, c'est chaud. Tout ça pour esquiver une pièce bleue à la con. Waouh. Tout ça pour esquiver une pièce bleue à la con quand même, hein, mais... Tac. Alors, il me semble que ça me permet d'avoir la truc. On va faire la chose à l'inverse, hein. On va pas suivre exactement la route du truc. Voilà. Ta-ta-la-la. La 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 la. Alors, je sais plus comment j'avais fait. Ah, ok, il m'a manqué 4. Il m'a manqué 4. On va essayer de se choper les 4 qui nous manquent vers ici. Ok, et 1, 2. 2 3 et 4. Voilà. Parfait. Cette musique, elle est trop bien. Quand je dis qu'elle est trop bien, elle est vraiment trop bien. Attention, surtout pas choper la pièce bleue.
Ça serait très dommage, surtout arriver à ce stade-là. C'est bon. Voilà. Merci. Maintenant, on fait ça. Ok. Bon, il faut réussir à arriver tout là-haut maintenant. Sans problème. Bon, là, il faut faire un petit saut et tu fais ça. Oh non, attention. Non. Parfait. Parfait. Du coup. Hop, on se met bien au centre. Non. Tac. Ah putain. Ah évidemment, j'en loupe deux. Putain, vraiment, je le seum. Ah ben, je crois pas qu'il faut que j'enclenche le truc. Alors, du coup, je suis bête bêtise. La pièce bleue, ok, sur le côté. Ah, je crois que c'est la deuxième, si je dis pas de bêtises. Bah, là, je crois que c'est pas celle-là, mais ce sera celle après. Donc, on la récupère pas. C'est bien ça. Ah, il manquait même 3, carrément. ok, bon, heureusement qu'on a les petits trucs à côté. Parfait, 98. Tac. Merci. Et voilà. Les 100 pièces. Wouhou. Et il faut dire qu'il faut faire pareil dans la version speedrun et tout en faisant attention. C'est vraiment la merde. Bon. Bon bah écoutez, c'est parti. Du coup bah voilà, l'étoile des 100 pièces est achevée. Ce qui permet de clôturer, en tout cas pour les gens qui ne rendront pas le côté speedrun, bel air un peu de gelato pour un petit moment. Évidemment, on va devoir s'y attaquer pour les 30 pièces bleues, mais voilà quoi. Et le côté speedrun aussi, mais... Bah écoutez, bah merci de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 85 de notre aventure 100% sur Super Mario Sunshine Reloaded. On se retrouvera du coup pour l'épisode 86 dans lequel on ira s'attaquer au côté speedrun, voilà, de ce Gelato Les Flots. Vraiment merci de m'avoir suivi pour cet épisode, honnêtement je me serais régalé comme d'habitude à vous le proposer. Moi vraiment, vous savez que ce jeu c'est vraiment c'est mon meilleur Mario 3D préféré. Et honnêtement, hein, je vous le rends bien. Je vous le rends bien parce que, ben voilà quoi. Sachant qu'évidemment, je vous ferai aussi la version que je veux évidemment faire. Donc la petite version qu'on aime tant, la petite version japonaise. Hein. Je vous en parle beaucoup, mais dites-vous que c'est ma version préférée. Et peut-être du coup, vu que je suis censé la faire d'une autre façon, vous allez peut-être plus ou moins apprécier. Voilà, donc je vous en dis pas plus, mais au moins vous êtes au courant. Et du coup, bah d'ici là les amis, merci de m'avoir suivi pour cet épisode 85. On se dit à l'épisode 86. Portez-vous bien, ciao tout le monde. Hey, peace.